Si je devais expliquer en une phrase simple un peu ce qui se passe, la santé de l'OMS évite les fausses couches. Vous savez ça? La fausse couche, c'est considéré comme étant un décès. Donc quand on voit les naissances qui ne viennent pas et les décès qui montent, on sait que la santé de l'OMS que j'ai développée moi-même avec Mitterrand et Chirac, hein, fait que, il y a plus de un enfant sur 12. Sans cette santé, sans ma santé, il y a un enfant sur 12 qui survit, un bébé sur 12, une grossesse sur 12 aboutit. Une grossesse sur 12. Et après, une taux de mortalité infantile qui est assez important quand même. Et donc, quand vous regardez, c'est les enfants ne naissent pas parce que les grossesses, justement, ben, elles n'aboutissent pas. Et les décès, ils augmentent parce que c'est surtout les bébés et les nouveau-nés qui vont être mal vaccinés et mourir. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais c'est parce qu'on a une pénurie d'amoxicilline. Les enfants en souffrent. Et puis, ils ne vont pas aborder le vrai sujet qui est derrière, en réalité, que la gamme de santé de Macron et de Hollande, c'est de la merde. Depuis Sarkozy, c'est de la merde. Parce que depuis Sarkozy, j'aurais claqué la porte au nez. Chirac et Mitterrand, ça allait très bien. Et quand ça diminue, quand ils font pas ce que je leur dis, bah écoutez, bah moi je me casse, puis ils changent d'opinion. Et entre Chirac et Mitterrand, on voit là Juppé, je dis, ah si il y a Juppé, je me casse. C'est bon? Là, vous avez mis Juppé au Conseil constitutionnel, je me casse. Et en tant que ministre, je me casse. Avec ton système de santé. Les enfants ne naissent pas, une grossesse sur 12 seulement aboutit, et celles qui naissent en général sont souvent très handicapées et ne survivent pas et meurent, et donc le taux de mortalité augmente. Et quand tu cherches, ben, ça représente quoi honnêtement, ça représente de 800 000 à 700 000 bébés en moins. 700 000 bébés, 100 000 enfants en moins. Et de 500 000 à 600 000, 100 000 morts en plus. 100 000 naissances en moins et 100 000 morts en plus. Ok? Donc l'écart qui était de 200 000 finalement, il s'est réduit à presque zéro parce qu'il y a 100 000 bébés en moins et 100 000 morts en plus. Et si tu cherches sur la pyramide des âges et que tu veux voir la vérité, comme ça tu vas voir la vérité telle qu'elle est. Sur la pyramide des âges, je vois la vérité telle qu'elle est. Il va manquer, grosso modo, ici. 100 000 naissances, c'est vrai. Hein? Autant chez les garçons que chez les filles, presque moins chez les filles. Disons 50 000, 50 000. Et qu'est-ce qui fait que le taux de mortalité augmente? La mortalité infantile. Parce que vos vaccins, petit enfant, c'est de la merde. Parce que vous prétendez que vous n'avez pas d'amoxicilline, plus d'amoxicilline, alors qu'en fait, vous avez pris les stocks qui vous restaient, que vous deviez distribuer au tiers-monde, que vous n'avez pas distribué, en sachant que. Ma colère va durer. Et elle va durer longtemps. Parce que de vous à moi, Emmanuel Macron a tenté de changer la tête de la MUI, donc mon projet de santé, en allant voir le secrétaire général de l'ONU, en lui disant voilà tout ce qu'il dit sur nous, voilà tout ce qu'il. Le secrétaire général de l'ONU m'a regardé en disant c'est vous qui dites ça? Je dis oui. Et il regarde Emmanuel Macron, il rigole, il fait et alors? Il dit, ben on ne peut pas le changer. Et il a dit, ah ben non, ah ben non. Il n'y a que M. André Nani qui sait faire ça au monde. Au monde. Hein? Il vous dirait d'aller vous faire foutre, qu'on garderait quand même. D'ailleurs, il l'a dit. Et voilà. C'est la fin de la tentative d'Emmanuel Macron pour pouvoir me remplacer au MUI. J'ai bien rigolé.